Ce direct, en direct de Malaga, la capitale de la Costa del Sol. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez apprécier énormément cette visite parce que une ville tellement complète, tellement remplie d'histoire. Donc, vraiment aujourd'hui, un beau 45 minutes où nous allons vivre ensemble au rythme de la ville de Malaga. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, messieurs, dames, c'est de me dire si vous m'entendez bien, d'accord? Dites-moi oui, parce que le caméraman va me faire signe que oui, si tout est correct, parce que si ça va pas, bien évidemment, on ajuste. Mais en temps normal, ça devrait bien aller, d'accord? Donc, n'oubliez pas, vous avez sur votre écran un petit bouton en bas où vous pouvez partager notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est important parce que vous, vous êtes content de connaître et de revoir Malaga, mais beaucoup de gens qui ne connaissent pas Malaga seront aussi sûrement très intéressés de connaître cette magnifique ville. Donc, n'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas en direct avec nous aujourd'hui, ben, vous pouvez revoir le vidéo sur notre chaîne YouTube Hélène Mathieu CDS Travel Tour. Donc, allez-y, vous pouvez vous abonner. Likez-nous si vous aimez ce que vous voyez, bien sûr. Ça aide, bien sûr, à un bon visionnement. Hein? Alors, pour vous situer aujourd'hui, juste derrière moi, nous avons le terminus d'autobus. Alors, si on peut le montrer un peu là-bas. Donc, le terminus, c'est pour vous situer. Hein? Parce que beaucoup de gens arrivent en autobus quand on est à Malaga. Donc, c'est le terminus qu'on voit au loin là-bas. D'accord, ça c'est ça. Donc, vous pouvez traverser et nous sommes déjà rendus tout près du centre historique, l'ensemble du centre historique. Voilà, je voulais vous situer. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas moi qui vais faire la présentation. Je vais être accompagnée d'une personne tout à fait exceptionnelle, une autre bonne guide. Alors, je vous invite, je vous présente notre guide qui s'appelle Éléonore. Elle est avec moi ici. Bonjour Hélène! Allô! Bonjour le Québec! Ravie de vous retrouver ici! Ça me fait plaisir d'être en présence d'Éléonore. Écoutez, Éléonore, on ne l'appelle pas Éléonore, c'est trop long. Trop long. On va l'appeler Léo, d'accord? Parce que les gens, quand on parle de Léo, disent « Mais oui, mais c'est un gars, Léo! » Non, non, non! Non, 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 hein! Voyez non, le non. Corps qu'elle a, c'est pas un homme! Non, non, non! Alors... Non, mais... Ça suffit! Alors, c'est une blague, il faut rire, hein? Il faut rire, oh oui, en plus avec ce soleil. Écoutez, on est au printemps. Ah, c'est merveilleux. Vous êtes au printemps et nous, on sent que le printemps est vraiment arrivé. Il est présentement 4h et quelques minutes, mais nous avons vraiment une température tout à fait exceptionnelle avec vous aujourd'hui. Donc, Éléonore, Léo va nous présenter la ville de Malaga. On est ici présentement pour parler premièrement parce que si on veut s'approcher, le voir de devant, on a vraiment un emblème de Malaga. C'est très important. Léo va vous le décrire. Une statue très importante pour les Malagueños, pour les habitants de Malaga. On l'appelle le Cenachero. Non, Tout à fait. Tout à fait, Hélène. Et on se trouvait que c'était intéressant de commencer ici, justement, un petit peu la découverte de Malaga. Parce que c'est vrai que ce personnage, il est totalement emblématique. Tout simplement parce que Malaga,
ici dans le sud de l'Espagne, sur le bord de la Méditerranée, a toujours eu une très très grande tradition, celle de la pêche. Les malagueños, bien sûr, s'alimentent de poissons, depuis toujours. Ici, nous avons... On est sur un tas d'arrêts quand tu penses les motos. Et oui, on est sur une des avenues les plus passagères de Malaga. Et donc, comme je vous disais, ce fameux personnage est en fait la représentation des pêcheurs qui venaient vendre ici, dans les rues de Malaga, leur pêche du jour. Par exemple, des sardines, les typiques boquerones. D'ailleurs, tu sais, Hélène, comment est-ce qu'on appelle les gens de Malaga? Oui. Comment donc? Mon mari, c'est un boquerón. C'est vrai. Miguel, c'est un boquerón. En gros, c'est un gros anchois. Miguel, tu es quoi? Un gros anchois. Et tout le monde comprend ici en Espagne que tu es de Malaga. Quand tu dis « Yo soy boquerón », je suis un gros anchois, je suis de Malaga. Exact. Ici donc, le cenachero est représenté par cette statue qui a été, qui est en bronze. Oui. Et le sculpteur, c'est Jaime, comme c'est marqué, Fernandez Pimienté. Et la statue a été inaugurée en 1963 et représente eh bien, ces fameux pêcheurs qui venaient ici dans les rues de Malaga vendre à la criée les poissons qu'ils mettaient dans ces paniers étaient faits de sparte. El esparto. Le sparte, c'est une plante vivace que l'on trouve ici sur les bords de la Méditerranée. Ouais. On va chercher des herbes folles un peu, qu'on va chercher, qu'on va tresser, faire des paniers et qui vont être utilisés par ces pêcheurs. C'est un système un peu de balancier, oui, comme tu peux voir. Et l'équilibre. Créer l'équilibre, hein, exactement. Ça, ouais. Et dans les rues, ce monsieur passait, il criait « J'ai des boquerones, j'ai des sardines !» Et il vendait tous ses poissons. Ouais. Alors c'est vrai que c'était très typique d'entendre ces pêcheurs passer ici à Malaga. Malheureusement, petit à petit, bien, les traditions de pêche ont évolué, mais sont modernisées. Ce monsieur Fernandez, il a ici deux autres statues à son effigie, très importantes au cœur des Malagueños, non? Tout à fait, il a fait deux autres statues que l'on peut retrouver justement dans le parc qu'on va passer à côté dans quelques instants, le Parque de Malaga. On va trouver un burro, le burro, le petit âne. Ah, mais ils savent qu'est-ce que c'est, hein? Un burro, comme vous avez pu voir à Miras, sans doute. Oui. Le burro, le petit âne. Traditionnel moyen de transport ici sur l'Andalousie entre autres et nous avons également juste à côté de l'hôtel de ville une très très belle statue aussi qui est celle du biznaguero. C'est celui qui vendait également dans les rues la fameuse biznaga. La biznaga, c'est aussi un symbole de Malaga. Oui. C'est une fleur, mais attention, c'est pas une fleur qu'on va trouver comme ça dans la nature. C'est une fleur qu'on va faire. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Oui. Avec un odeur tout à fait particulière. Très particulier. Hein, parce qu'on utilise en fait du jasmin. Oui. On va cueillir les fleurs de jasmin et on va les piquer sur une tige de plante également qu'on trouve ici dans les montagnes de Malaga. Et on va former une espèce de petit, une petite fleur faite à base de fleurs de jasmin. C'est éphémère, ça dure pas très longtemps, mais ça sent délicieusement bon. Mais oui, bien sûr, c'est super. Là, on s'approche tranquillement comme ça de le prochain endroit qu'on va visiter, mais avant de continuer. En dessous de nous, mais oui, Léo, c'est vrai on a un sous-sol riche en vestiges. Dis-moi ça parce que vraiment c'est important. Exactement, Hélène, parce que en fait, toute cette partie sur laquelle nous sommes actuellement, eh bien, il faut imaginer qu'avant la fin du 19e siècle, c'était la mer. Oui. C'est-à-dire que le port qui se trouve maintenant derrière nous était justement ici là. Juste là où nous nous trouvons. C'est-à-dire que sous nos pieds, en effet, nous avons d'ailleurs maintenant un parking ici sur la Plaza de la Marina. Et on peut encore retrouver dans le parking des vestiges de l'ancien port de la période musulmane. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons traverser cette rue qui est aujourd'hui l'Alameda principale pour rejoindre le centre historique. Imaginons que nous passons comme une muraille pour arriver dans la partie qui a été fondée donc. Depuis les Phéniciens, par l'Andalusie. Avant de quitter le port, vous savez que dans l'Antiquité, le port était un des plus importants à part de celui de Cadix. Donc un port vraiment, mais qui a subi
une modernisation vraiment incroyable. Je voulais juste vous glisser un mot. On va traverser et regardez, nous sommes sur la rue Alameda. Donc, en plein dimanche après-midi, c'est certain que c'est plutôt tranquille. Mais ça fait drôle de traverser, être en plein milieu comme ça et de ne pas avoir de menaces. Si on est sur le côté, on aperçoit bien ces superbes palmiers qui vont nous permettre eh bien, d'accéder en fait, et de longer le fameux parc de Malaga. Un parc magnifique qui date de la fin du 19e, début du 20e siècle, justement quand on a décidé d'ouvrir Malaga, c'est-à-dire de détruire la muraille et d'ouvrir Malaga vers la mer. Parce que Malaga, évidemment, était totalement enfermé par d'anciennes murailles. Il a fallu ouvrir, embellir, hein, tout ça. C'est au 19e siècle et on décide d'ouvrir Malaga pour un très beau parc en prenant du terrain sur la mer. Donc ça a été des travaux très importants. On tient notre caméraman, il va se faire passer par un autobus. Et du coup, nous avons reculé le port. Le port, aujourd'hui d'ailleurs, que je recommande pour de très belles promenades. Un port qui s'est très bien réaménagé aussi. En 2011, de grands travaux d'embellissement, d'amélioration ont été faits. Et aujourd'hui, c'est une promenade incontournable ici à Malaga. Ce n'était pas le cas avant, hein. D'ailleurs, non, Hélène, je ne sais pas, mais tu te rappelles comment c'était avant 2011? Oui. Pas vraiment. Puisque... Mais maintenant, c'est que Malaga est devenue en grande partie piétonnière. Tout à fait. Alors, vous allez voir, on va vous prouver vraiment parce qu'on est déjà sur une place piétonne. Et c'est tout à fait génial de se promener comme ça, sans avoir à se préoccuper des voitures, à déambuler dans le centre historique. Vraiment, vous allez vraiment apprécier. Je sais que pour la plupart, vous connaissez Malaga. Mais je sais qu'il y en a qui ne sont jamais venus à Malaga. Et après cette visite, vous allez dire, oui, je veux aller avec Léo visiter Malaga. C'est certain. Alors, okay, peut-être aussi que ces mêmes personnes ne savent pas qu'à Malaga, il y a autant de patrimoine. Parce que quand on parle de l'Andalousie, on parle beaucoup de Séville, de Cordoue, de Grenade, qui sont des villes absolument fabuleuses. Oui. Mais Malaga a réussi justement, les 10 dernières années passées, à mettre en valeur ce patrimoine un petit peu oublié, patrimoine culturel. Et justement, c'est ce qui est intéressant. Et à chaque fois qu'on fait des visites, c'est vrai, Hélène, tu te rappelles, les gens nous disent toujours Malaga, c'est une surprise. Tout le temps. C'est une boîte à surprise. Une boîte à surprise. Pourquoi? Parce qu'on découvre vraiment bon, des monuments tout à fait exceptionnels. On découvre des musées. Vous allez on en parler un peu plus loin. On découvre aussi, à chaque fois qu'on avance un peu dans la ville, il y a un spectacle, il y a toujours quelque chose qui nous fait animé. Toujours très animé, mais là, on a quelque chose devant nous. Absolument monumental. C'est un monument monumental. En effet, la fameuse cathédrale. Nous arrivons en effet au pied de la fameuse cathédrale de Malaga. Absolument. Et sur la place qui est en face de la cathédrale, qui est la place de l'Obispo. Place de l'Obispo, exactement. On traverse par l'évêque. Oui. C'est mieux dit, c'est ça. Alors, on va vous en parler un peu parce que c'est quand même un monument très important. C'est une cathédrale qui est spéciale en soi. Dis-moi, j'ai appris, moi, Léo, avec, comme tous les touristes qui viennent ici, bien sûr, que la cathédrale, il lui manque quelque chose. Il lui manque un petit morceau. Je pense qu'on va aller se situer juste en face de la façade principale. Déjà, c'est une façade absolument magnifique qui date du 18e siècle. On est dans le style plutôt baroque. On va voir cette cathédrale. Et surtout, c'est là qu'on va se rendre compte d'un détail qui fait de la cathédrale de Malaga, eh bien, une petite merveille avec sa particularité. Avant de continuer, Léo, je m'excuse de te couper. Je veux juste dire aux gens qui viennent de se joindre à nous que vous êtes en direct de Malaga présentement, d'accord, en Espagne, sur la Costa del Sol. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo, hein, c'est quand même important. Et là, bien sûr,
nous allons parler de cette fameuse cathédrale. Elle est vraiment impressionnante. Impressionnante. Alors, pourquoi on l'appelle la Manchotte? Et voilà, Hélène, tu as tout dit en effet. On l'appelle la Manchotte. La Manchotte, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il lui manque un bras. Il lui manque quelque chose. Et qu'est-ce qui va lui manquer à notre cathédrale? Regardez bien la façade. Regardez sur la gauche. Et regardez sur la droite. Il lui manque bien une tour. Notre pauvre cathédrale, la cathédrale de Malaga, n'est pas terminée. Il y a toutes ces années. Après toutes ces années, cette cathédrale, en effet, ouf, a eu de grands troubles dans sa construction. Ça se passe sur plusieurs siècles, hein, 16e siècle jusqu'au 18e siècle. Voilà. Qui fait que, eh bien, déjà, c'est vrai qu'on va trouver différents styles architecturaux dans cette cathédrale, mais aussi une façade qui, malheureusement, ne sera pas achevée. Et d'où son petit nom, la fameuse Manchotte. Vous pouvez demander aux malagueños, por favor, où se trouve la cathédrale de la Encarnación, Notre-Dame de la Encarnación, qui est son véritable nom. Ils vont vous dire, je n'en ai aucune idée. Vous leur demandez la Manchotte. Ah, bien sûr, c'est tout droit et à droite. C'est son petit nom. Mais à l'intérieur, Léo, est-ce que... Parce que moi, j'ai visité cette cathédrale et je trouve qu'elle est vraiment... Écoutez, elle n'a rien à envier à la cathédrale de Séville. Mais est-ce qu'il y a des particularités à l'intérieur? Bien sûr, il y a de nombreuses particularités. C'est que déjà, il y a, on va dire... deux parties qui se sont quand même unies au fur et à mesure de la construction. Première partie, 16e siècle, en 1522, on va vraiment commencer la construction de cette cathédrale. Finalement, quelques temps après la reconquête, puisqu'il ne faut pas oublier que ici nous sommes, ou bien encore une fois, dans une ville andalouse qui a été occupée par les musulmans pendant 800 ans. Ouais. Donc évidemment, ici nous avions une mosquée. Oui. Hein, donc c'est vrai qu'il y a eu tout un plan de restitution, on va dire, et de construction d'une cathédrale. Okay, donc ça a commencé vers 1522 et malheureusement, eh bien, on va devoir arrêter les travaux faute de moyens et on va reprendre les travaux au 18e siècle, deux siècles plus tard. Et c'est là qu'on va donc joindre les deux parties qui n'étaient pas collées. Alors n'oubliez pas, messieurs, dames, il faut absolument que vous visitiez cette cathédrale. Vous allez me dire, oui, mais Hélène, quand on va en Europe, c'est ce qu'on fait toujours, voir des cathédrales. Mais celle-ci, hein, elle est vraiment exceptionnelle. Vraiment. Malaga, c'est quand même une ville importante. En passant, combien d'habitants y a-t-il à Malaga? Eh bien, en effet, c'est une grande métropole puisque c'est la 6e plus grande ville espagnole en population. On est à peu près 560 000 habitants. D'accord. 560 000. Presque, c'est un demi-million. Un demi-million d'habitants, ouais, quand même, en effet, à Malaga. Oui. Maintenant, on arrive sur cette rue ici qui s'appelle... Là, ici, c'est la rue Cisterce. Cisterce, c'est ça. Mais un côté de la façade de la cathédrale, un côté de cathédrale que j'apprécie, que j'aime beaucoup, très joli, ici aussi, oui. Par son travail. Hein. Regardez ici, on va voir la porte... C'est la porte la plus ancienne, on va dire, de la partie construite durant la reconquête, après la reconquête, pour mieux le dire. C'est la porte de San Salvador, typiquement 15e siècle, à l'arrivée des rois catholiques Isabelle et Ferdinand. Il ne faut pas oublier qu'ici, nous avions la mosquée avec son minaret. Donc c'est tout un symbole, lorsque les catholiques rentrent dans une ville, récupèrent une reconquête d'une ville musulmane, évidemment, ils vont tout de suite laisser leur trace, en perçant, si vous voulez, la mosquée pour bien édifier leur lieu de culte. C'est la suprématie chrétienne qui a vaincu l'islam. D'accord. Une chose que j'ai lue en quelque part, dans les années 1680, il y aurait eu un tremblement de terre. Oui. Qui aurait fait beaucoup de destruction et aussi au niveau de ces monuments. Oui, tu nous en parles un petit peu? Ah oui, en 1882, on a eu un tremblement de terre, en effet, terrible, qui a sévi sur quasiment toute la province de Malaga. Wow. Et en effet, ici, nous avons eu de nombreuses destructions. Beaucoup de destruction au niveau des monuments. Au niveau des monuments, au niveau de la cathédrale, en effet. Il a fallu reprendre ensuite.
la construction et tout. Non, j'ai vraiment pris des bombardements aussi. Il y a eu des bombardements lors de guerre civile et tout ça. Les villes ont réussi à sortir de ça. Cette place ici, elle est tout à fait magnifique. Écoutez, si vous venez en soirée à Malaga, c'est illuminé le côté de la cathédrale. C'est incroyable. Et vous avez les orangers. Vous avez vu les orangers à Marbella, on vous en a montré. Mais ça ici, quand c'est plein, ils sont en fleurs présentement. Quand c'est plein d'orangers avec la façade de la cathédrale, en fait, c'est toujours la façade, c'est pas la façade, ici, parce que c'est la partie, côté, c'est la partie latérale. Mais c'est l'entrée, en effet. Mais c'est la, un autre c'est par ici que l'on rentre quand on accède au monument. Voilà. On va passer. On s'en tourne de l'autre côté. On va passer par la rue Saint-Agustin. Saint-Agustin. Perfecto. D'artistes ambulants qui donnent un peu de joie dans la ville, mais c'est pas grave, on se reprend un petit peu plus loin. Mais là, vraiment, on est en train de découvrir la vie dans la ville de Malaga, dans le centre historique de Malaga. Vieron a divertirse, pararon en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. C'est agréable. Je vous entends penser les Québécois. Vous dites, mais oui, mais pourquoi à Malaga, on peut... se voir comme ça et tout. Parce qu'on peut vivre dans nous autres. C'est la différence. Quand on vit à l'intérieur, quand on est en hiver tout le temps, ben bien sûr, c'est très, très différent comme ça. Alors là, on s'approche d'un endroit intéressant, n'est-ce pas? Oui. Là, en fait, nous sommes, cette rue déjà est très intéressante, oui. Très vivante, très typique aussi au niveau de son architecture. C'est une des plus anciennes rues de Malaga, c'est la rue Saint-Agustin. Elle porte ce nom du fait de l'église de Saint-Agustin, qui a été édifiée ici au XVIe siècle, le couvent de Saint-Agustin. Et il faut savoir également qu'après la reconquête, eh bien, tous les nobles de la chrétienté avaient établi ici leur maison, leur palacios, leur palais. Et entre autres, eh bien là, nous sommes juste devant le palais des comtes de Buena Vista. Mm-hmm. Les comtes de Buena Vista, une superbe bâtisse du XVIe siècle. Et qui aujourd'hui accueille eh bien, la grande fierté de Malaga, c'est le fameux Picasso. Alors vous allez dire, rien d'original des musées Picasso, il y en a un petit peu partout dans le monde, c'est vrai, vous avez raison, mais ce musée-là, eh bien, il a la particularité d'être vraiment très personnel. Vraiment, c'est une collection magnifique, ce sont des dons qui ont été faits de la part de la famille de l'artiste. Et c'est en 2003 que ces œuvres ont enfin trouvé place ici, dans ce musée. Beaucoup de musées, madame. Énormément de musées. C'est la ville des musées. La ville des musées, totalement. Justement, on est aujourd'hui à presque 40 musées. 40 musées. Mais par contre, Picasso est un des musées très importants. C'est un des plus importants. En effet, ce n'est pas sa maison natale. Il faut bien préciser, sa maison natale se trouve sur la Plaza de la Merced, un petit peu plus loin. Elle peut se visiter également, cette maison, mais le musée se trouve ici. Ça a été le musée des Beaux-Arts, et finalement, en 2003, c'est devenu vraiment le musée dédié totalement à Picasso.
on a plus, oui, on a 300 œuvres à l'heure, 233 œuvres, plus une centaine d'œuvres qui également sont installées et installées dans un autre musée qu'on verra tout à l'heure, le Palais des Ducs. Évidemment, Picasso, pas tout le monde l'aime. Mais, c'est discuté, mais il faut connaître. Il faut connaître. Maintenant, on s'en va de ce côté-là. Là, ici, c'est la rue Grenade, Calle Granada, qui en effet est très, très vivante, très animée, très jolie. Regardez cette petite terrasse. Et c'est ici qu'on va trouver de belles tavernes également. Et également des bons glaciers, apparemment, Hélène. Ah, et tu voulais manger une glace. Ok, alors là, on est sur cette rue ici. Alors, on passe devant la bodega. Exactement, les fameuses bodegas. Elle est fermée aujourd'hui. On va passer voir de l'autre côté. Alors, la bodega, elle pimpi. Certainement, les gens qui sont venus en Espagne, vous connaissez déjà cette fameuse cave. On l'appelle la cave, mais ce n'est pas une cave à vin, c'est un restaurant. Très, très important, qui a été édifié dans un manoir, un ancien manoir du 18e siècle. Et très, très connu, c'est un emblème. Vraiment, à Malaga, c'est un emblème. Il a grandi avec le fil des années, vous savez. Je pense qu'on peut aller voir à droite ici. Vous voyez comme c'est joli. Les fresques avec les dames. Très à la mode en ce moment, le street art, l'art urbain, certainement. De très grands artistes comme Obey ou Face 47 aussi sont arrivés ici pour faire de nombreuses peintures, décorer la ville. Alors, El Pimpi. Il y a une signification à ce nom. Alors, le Pimpi, en effet, Léo. Raconte-moi ça, parce que je sais, j'ai lu un petit peu. Ah oui, je pense que tu vas l'apprendre. Une petite anecdote, une petite légende, en effet, qui donne en effet l'origine du nom, le Pimpi. Cela proviendrait en effet du fait que Malaga est une ville portuaire et qui recevait bien sûr, et reçoit encore de très nombreux bateaux marchands. Et c'est vrai qu'on a eu également à Malaga, et on a toujours, vous le savez, la fameuse tradition du vin, le fameux vin de Malaga. D'ailleurs, ici dans le Pimpi, on peut déguster différents types de vins de Malaga absolument excellents. Les bateaux marchands, mais ici, pour se charger en vin, il y avait énormément de négociants en vin d'origine britannique qui venaient ici au port de Malaga. Alors, évidemment, les marins, après de longues heures et de longs mois de traversée en mer, venaient chercher ici un petit peu de réconfort et sont arrivés au port. Alors évidemment, dans tous les sens du mot, hein, exactement. On s'entend bien. Ils cherchaient un petit peu de chaleur, chaleur humaine principalement. Alors évidemment, comme ils ne connaissaient pas forcément la ville, sur les quais, on avait une personne. Un peu le guide touristique de l'époque. Ok, on va faire la traduction pimp. Ça vous rappelle quelque chose quand on entend le mot pimp? Alors, pimp, ça veut dire que c'est la personne qui désignait pour l'endroit, dire il y a une auberge ou un restaurant ou une taverne, une bodega. Voilà. Et là, bien sûr, c'était celui qui allait aussi donner les bonnes adresses où il y avait des jeunes femmes très ouvertes. Mais aussi, ce qui est le plus drôle, c'est que suite à ça, on a dit que c'était les premiers guides de la ville. Alors, voilà. Est-ce que je suis une pimpi? Moi, je n'ai pas ces adresses-là. Moi, je peux vous indiquer les bons restaurants et les bons bars. On va rentrer à l'intérieur parce que ça vaut vraiment la peine. Que vous... Il y a une particularité ici, Léo. Je sais que c'est tellement, tellement ancien. Dis-moi ça, c'est 19e siècle. Et comme tu peux le constater, Hélène, regarde un peu cette décoration qui est restée intacte. L'odeur également. Alors, on ne se rendrait pas compte, mais alors, il faut vous imaginer une odeur de fût, de bois, de vin. C'est très authentique. Signé et également, vous pouvez observer, tout est signé par des artistes.
Ils sont venus ici pour la famille hiver de Malaga. On a des artistes de la musique, du flamenco, des tourneaux également, des artistes du cinéma. On entend la musique qui nous accompagne de ce matin. Mais là, on entre dans l'endroit, un des endroits les plus jolis, je pense. C'est le patio, en effet. Le pont, la cour intérieure du Kimpi, c'est vraiment décoré. Regardez, je sais que vous l'avez déjà vu, ceux qui ne l'ont jamais vu, je sais que vous ne manquerez pas de venir faire votre tour ici. C'est tellement spécial. Regardez, même les jambons, ils sont tout frais pour être coupés à la fameuse technique. Et les photos sur le mur, bien sûr, ce sont des photos de toutes les personnalités qui sont venues ici au Pimpi. Donc on en voit peut-être, on n'en connaît pas, vous avez la Duquesa de Alba, une grande aristocrate espagnole, la femme la plus titrée au monde, et ici, vous reconnaissez sans doute, il était jeune, mais c'est bien lui. Oh, il est encore beau. Il est encore beau. Antonio Banderas, qui d'ailleurs, entre nous, est actionnaire ici, de cet établissement, puisqu'il veut faire en sorte que, au moins, Andalou reste. Reste bien ici et ne va pas rentrer à de grands groupes. Et sachez d'ailleurs qu'il vit juste à côté. Donc, je ne sais pas si on va aller voir un petit café chez lui. On va aller voir ça. Pour aller voir l'extérieur de la Rodeval Country, qui est un endroit aussi. Vous allez rester estomaqués de cet endroit-là. Et pour ceux qui sont venus à cet endroit, vous avez remarqué qu'il y a eu une extension, on va le voir à l'extérieur, une extension du restaurant, c'est-à-dire la section poisson, n'est-ce pas, Léo? Oui, tout à fait, puisque, encore une fois, hein, on avait commencé avec le fameux cenachero, on n'oublie pas que c'est la tradition, ce sont les fritures. C'est le poisson, la pêche du jour. En effet, nous avons de nombreux restaurants. La Solée, ils se sont inspirés de votre chien. Alors, c'est l'endroit ici en haut où c'est vraiment un agrandissement. Et vraiment, le Pimpi a évolué énormément et très apprécié de tous les touristes, mais aussi de tous les Espagnols. Les Espagnols viennent énormément. C'est un passage incontournable également dans la gastronomie malagaise et dans les vins locaux. Et cette situation vraiment imprenable avec la vue sur le théâtre romain qu'on va voir maintenant avec le musée d'interprétation. Alors vraiment, quand on voit un théâtre romain comme ça, moi j'essaie, je me ferme les yeux et j'essaie de m'imaginer dans ce temps, à l'époque. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant de penser déjà à l'époque phénicienne. On commençait les Phéniciens, ensuite les Romains, les Arabes. Alors vous voyez cette beauté. Extrêmement bien conservée. Voilà. Je veux savoir, Léo, en quelle année ils ont découvert ce théâtre-là? Ce théâtre-là, eh bien finalement, il a été découvert, figure-toi, très récemment, dans les années 50. Okay. Suite à la construction d'une maison de la culture. En fait, imagine, là, juste en face de nous, il y avait une immense bâtisse qui a été construite pour accueillir déjà les archives, également une petite bibliothèque, donc maison de la culture. Et on savait qu'en dessous, il y avait des vestiges, mais bon, on n'avait pas vraiment voulu les mettre totalement à jour. On a juste dégagé ce qui va être les gradins. Oui. Ah, mais toute cette partie que nous avons là, juste en face de nous, visible et caché. Incroyable. C'est plus tard, dans les années 80, qu'on va décider de la démolir, cette fameuse bâtisse, et de laisser enfin apparent, et de faire des fouilles bien sûr, et de laisser apparent bien ce que va être ce fameux théâtre romain de Malaga, qui date du 1er siècle avant Jésus. C'est sous le règne de l'empereur Auguste. Tout à fait. Hein, qui vraiment, en tout cas, c'est
c'est de penser à ces moments. C'est vraiment impressionnant. Et aussi, le centre d'interprétation qui, lui, est quand même aussi très important. Très important, en effet, qui nous permet donc l'accès, puisqu'on peut totalement, regarde, hein, on peut venir marcher, on peut venir faire de très jolies photos ici, tout en respectant, bien sûr, l'espace, faire de très, très belles photos ici, dans le théâtre romain. Mm-hmm. Et ce centre, en effet, d'interprétation, bien, nous explique aussi un petit peu bien la vie romaine ici, qui a été très 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 importante, puisque en plus Malaga avait une place, on va dire, privilégiée dans l'Empire romain. Ouais. Elle avait, on va dire que c'était une ville autonome, qui avait obtenu d'ailleurs bien le statut, on va dire, d'indépendant vis-à-vis de Rome. Uh-huh. Et on a retrouvé un écrit, la Lex Flavia, ce qu'on appelle Malacitana, qui est présenté d'ailleurs sur le centre d'interprétation. Tu m'as laissé, Miguel, on est en train de raconter quelque chose aussi qui va intéresser beaucoup, hein. C'est la pyramide de verre que vous voyez, n'est-ce pas, Léo? On va rester un petit peu encore dans cette période romaine très importante ici à Malaga. Il faut, comme je vous disais, Malaga avait une place très importante dans l'Empire romain, déjà comme une ville commerçante, commerciale, qui exportait sur tout l'Empire un produit qu'on fabriquait ici, qu'on appelle le garum. Est-ce que tu sais ce que c'est que le garum, non, Hélène? Explique-moi ça. Est-ce que tu as déjà goûté au garum? Je sens que je vais savoir si j'y ai déjà goûté ou non. J'espère pas vraiment, je vais t'expliquer. C'est en fait, ici, regarde un petit peu, dans ces espèces de pâtes, hein, dans lesquelles, on laissait sécher les viscères des poissons de la pêche pour pouvoir ensuite produire le fameux garum. Une sauce, on a la recette d'ailleurs, hein. On a retrouvé la recette. Il y a même des personnes qui se sont, à l'université de Cadix, ont décidé d'élaborer ce fameux garum avec la recette qu'ils avaient retrouvée. Alors, ça se fait avec différents types de poissons, des huîtres, des moules, poissons bleus, surtout sardines, boquerones. Uh-huh. Alors, imagine un peu tout ça, ça se mélange, ça macère, rajoute un petit peu de vinaigre, un petit peu de vin, des épices, et voilà une sauce que dont raffolaient les Romains. Bah, peut-être que c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais attendez, avant de quitter, je ne peux passer sous silence. Ici, ce qu'on voit en haut. On va en parler, hein? De toute façon, on va s'approcher de l'entrée principale. On va le voir un peu plus loin, l'Alcazaba. Ok, d'accord. Si on est pour le voir plus loin, ça, on va le voir mieux peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe à Malaga, c'est qu'on a toutes les cultures qui finalement se chevauchent. La partie basse ici, bien sûr, c'est l'Empire romain, mais juste au-dessus, cette autre partie, vous pouvez le constater, c'est la partie musulmane. Absolument. Alcazaba. Alcazaba, exactement. Quand vous avez un arabe, tout à fait. C'est arabe. Tout à fait. Hein, comme Alhambra. Quand on parle espagnol, on emploie près de 6000 mots de la langue arabe, puisque c'était la langue officielle pendant la période Moyen-Âge, période médiévale. Okay. Alors évidemment, on a aussi des vestiges absolument fabuleux de cette période. Vous le savez, l'Alhambra, la mosquée cathédrale de Cordoue, bien sûr, la Giralda aussi à Séville. Mais ici, nous aussi à Malaga, on a beaucoup de chance et on a également de palais. Oui. Ici, sur ce petit promontoire, à partir du 11e siècle, on va commencer à construire un palais arabe,
qui va évoluer au fur et à mesure des siècles. Et au 14e siècle d'ailleurs, des architectes de l'Alhambra vont venir ici pour continuer la construction de ce palais arabe. L'endroit est tout à fait magnifique. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Al-Kasaba? Oui. Mais tu vas me le rappeler. Dans mes études cette semaine, rappelle-moi. Al-Kasaba, c'est Al-Kajba. Okay. Al-Kajba, c'est la citadelle. Okay. C'est-à-dire que c'est un palais fortifié dans l'enceinte de la ville, dans l'enceinte de la muraille de la ville. C'est-à-dire que c'était double muraille. Une muraille qui entourait la ville et un palais fortifié lui-même. C'est-à-dire un site totalement imprenable. Imprenable. Imagine un peu les catholiques. Et puis, parce que 8 siècles avant d'arriver ici, avant de pouvoir faire la conquête de Malaga. Vraiment impressionnant. Et est-ce que tu sais qu'il n'y a pas qu'un seul château ici à Malaga? Il y en a un autre château. Fortification. Ok, mais c'est Gibralfaro que tu veux me parler? Tout à fait. Connaît, on le voit, très important et quand même à visiter, ça se visite encore. Bien sûr, que ça se visite, c'est absolument magnifique. Absolument. Il offre des vues sur la ville de Malaga puisqu'il est situé à 133 mètres d'altitude sur le mont Gibralfaro. Et c'est, là, par contre, c'est un fort qui date du 14e siècle. C'était pour renforcer la défense de ce fameux palais. Ouais. Gibralfaro, d'ailleurs, ça veut dire le mont du phare. Le mont du phare, en effet, puisque on a appris que durant la période phénicienne, on avait déjà comme un petit phare qui avait été construit tout en haut pour guider les bateaux. On passe quand même aussi devant cette énorme bâtisse. Oh, la douane. Plus récente. C'est merveilleux ici, puisque là, on a toutes les périodes, finalement, de Malaga, de son histoire, qui sont représentées. C'est le palais des douanes. Alors, les douanes, c'est quoi? Les douanes maritimes? Oui. Parce que, si vous vous rappelez, au début de notre visite, je vous ai dit que la mer était beaucoup plus proche et le port était beaucoup plus proche qu'il l'est aujourd'hui. Oui. C'est à la fin du 19e siècle qu'on a fait ces travaux de changement pour déplacer le port. Okay. Et alors ici maintenant, depuis 2015, nous avons un superbe musée qui accueille plus de 2500 œuvres archéologiques. C'est un musée qui est gratuit et qui est absolument fabuleux, dans lequel on va trouver justement de nombreuses pièces de la période romaine, de musulmane également. On a attendu longtemps avant qu'il puisse être ouvert. Ce palais des douanes n'a plus été utilisé comme tel lorsqu'on a déplacé le port, évidemment. On a changé. Alors, et on se dirige présentement vers quel endroit? Alors là, on est dans la rue Sisters. La rue Sisters. Très dynamique ici, avec de très jolies petites boutiques, des petits restaurants. Et en fait, nous revenons vers la cathédrale. Et ce que nous allons faire, déjà parce qu'on essaie de ne pas prendre le même chemin, évidemment, pour qu'on puisse voir plusieurs choses, on va continuer tout droit. On va passer derrière l'édifice qui est en face, c'est un hôpital. Et nous allons arriver au centre névralgique de Malaga, la place de la Constitution. La fameuse place de la Constitution. Exactement. Les événements où les gens se rassemblaient à l'époque et encore aujourd'hui, encore beaucoup de fêtes et de c'est un endroit de rencontre. C'est un endroit de rencontre, c'est là où on célèbre bien la feria, où également la Semana Santa, et également le festival du film. Que Malaga accueille chaque année un festival du film national, président d'ailleurs, c'est Antonio Banderas, et on fait une remise de prix qui s'appelle la Biznaga, la fameuse fleur représentative de la ville. D'ailleurs, si vous venez à Malaga, vous pouvez acheter la Biznaga en céramique. C'est vrai que c'est délicat à rapporter, mais ça fait un fichu de beaux souvenirs à rapporter. Tout à fait, c'est très à la maison. Et vraiment, c'est vraiment très représentatif de Malaga. J'aime beaucoup. Est-ce que tu savais, Hélène, que la cathédrale, regarde ici à gauche, là on voit un petit peu, c'est la partie la plus ancienne, on va dire, de la cathédrale.
Si tu regardes tout en haut, tu sais que tu as l'habitude normalement des cathédrales, elles ont des gargouilles. Les gargouilles, c'est des espèces de gouttières avec des têtes déformes bizarres. Est-ce que tu vois là les formes qu'elles ont, ces gargouilles? Ben oui, ça ressemble à quoi? Mais tout à fait, c'est un canon. Alors pourquoi, à ton avis, on a représenté? Alors tu vas me dire ça, toi. Parce que encore une fois, la mer se trouve juste derrière, avec la muraille. Du coup, les bateaux ennemis, quand ils approchaient, ils ne voyaient pas vraiment une cathédrale au loin. Ils voyaient comme une espèce de forteresse menaçante avec les canons dirigés vers eux. Qu'est-ce que c'est brillant! Mais c'est très, très intéressant. Moi, je laisse ça dépôt. Hein. Ça, c'est des détails de guide. En passant, Eleonore, Léo, elle est guide officielle. Hein. Chez CDS, on n'a que des guides officiels. Cynthia, que vous avez vu la semaine passée, Léo, Francesca, donc toujours des guides officiels. Vous avez de très, très belles informations aujourd'hui. Ben, ça continue comme ça quand vous venez nous voir. Ben, vous avez des guides vraiment chevronnés. Et on ne raconte pas tout encore. Non, on ne raconte pas tout. Il nous en manque beaucoup. Mais on ne peut pas tout vous raconter tout de suite. De toute façon, on a le temps quand même limité. Alors, on se dirige comme ça, très doucement, en direction de la fameuse place de la Constitution. Ça aussi, c'est un endroit vraiment super. Vous avez remarqué au passage la superbe végétation qu'on a ici à Malaga grâce au climat. Ouais. Des frangipaniers, des oiseaux du paradis, des orangers, des coricias, de nombreuses plantes que l'on trouve en Asie, que l'on trouve en Amérique latine et qu'on a la chance d'avoir ici. Grâce à un climat exceptionnel. Actuellement, il fait 20 degrés, 22. Oui, un bon 20 degrés, bon certainement. Super agréable. La végétation est vraiment très, très diversifiée. Il ne gèle jamais ici. Non, on n'a pas de pelle pour enlever la neige. Il fait même trop chaud pour pelleter. Qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est vrai qu'on est très choyé. Et on sait pourquoi vous appréciez venir sur la Costa del Sol, même en plein hiver comme ça, voyez-vous. La température est tout à fait géniale. Alors, j'espère que ça va bien. Ça va bien tout le monde? Dites-moi donc si vous êtes content de venir jusqu'à date. Si vous profitez de cette belle visite avec nous. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas. On va y répondre un peu plus tard, parce que présentement, comme c'est pas moi qui est devant la caméra, on ne répond pas. Le caméraman est en train de faire son travail. Donc, là, je vois des petits cœurs sortir parce que je suis derrière la caméra. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, cet après-midi, un peu plus tard, je vais répondre à vos questions. Fait que n'hésitez pas, si vous avez un petit questionnement sur Malaga, sur quoi que ce soit, ben on est là pour répondre à vos questions. Alors, là, ici, quelque chose de différent, quelque chose de spécial, mais où ici? Eh bien, ici, on est dans la rue Santa Maria, qui va nous permettre, eh bien, de déboucher directement sur la fameuse Plaza de la Constitución. Donc, ici, plein de petites rues, petites ruelles étroites. Par exemple, sur la gauche, sur la droite, regardez comme elles sont étroites, très typiques des quartiers anciens, des villes andalouses. Et toujours un peu de l'influence arabe. Et pourquoi les petites ruelles si étroites? Pour se protéger de la chaleur. Exactement. C'est ça. Et puis en plus, c'est très intime. Hein? Très peu d'intimité. On entend tout ce qui se passe chez la voisine et on adore ça. On sait à quelle heure elle a mangé, à quelle heure elle s'est réveillée, à quelle heure elle s'est douchée. On adore. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, c'est un petit peu plus tranquille, puis un peu de rindo, mais bon. On va déboucher sur la place de la Constitution où il y a un café. Exactement. Très, très, très emblématique aussi. Et toi, comment tu prends ton café, toi, Hélène? Oh, Seigneur, ça m'a pris du temps avant de l'apprendre. Et moi, écoutez, j'ai encore du mal. On va vous montrer qu'il y a, je ne sais pas, 20 quelques façons de faire 10. Ah, bon, j'exagère, je fais mon andalouse finalement. Il y en a peut-être plus maintenant, mais... Okay. Mais il y a au moins 10 façons de faire une demande de votre café. Oui. Fait que, on va vous montrer la pancarte. Sûrement, vous avez déjà vu dans une de nos vidéos, parce qu'on a toujours trouvé très intéressant que vous connaissiez ce principe. Vous allez avoir les façons différentes de commander votre café. Et le café central, très, très, très ancien. Et ici, ben, c'est pas encore ça, mais c'est un très bel endroit. Malaga. Hola! Alors, hola! Hola!
El mejor restaurante de sitio de Málaga. Sí, sí. Vaya, dilo por ahí. Bueno, sé que lo diga el inglés. Me va a tener que pagar el derecho de imagen, ¿eh? Donc, ce sont des tapas. Ceux qui connaissent pas les tapas, c'est des méchantes boules. C'est des boulettes, mais c'est plus des boulettes, ça. Des boules. Alors, comment est-ce qu'on prend la tapas? Ben voilà, c'est la position. Ouais, c'est ça. On mange debout, et on prend notre doigt, on dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Fait que vous avez même pas besoin de parler espagnol. Muy bien. Parler espagnol aquí el bar Málaga, el mejor bar de Málaga, el segundo bar más viejo, 167 años abierto. ¿Cuántos? 167 años. 167 años abierto. Donc, mira, de lo más viejo, ¿no? El segundo. La dame precisa que la pasa étage là. El segundo bar más viejo. Le deuxième bar. Bueno, dime la pregunta, ¿no? Lo que decís, muy bien, que yo no soy tan vieja como el bar, pero la verdad que sí, todo el que venga, de donde venga, aquí tiene que venir, Málaga tiene que venir aquí a este bar, exactamente, porque es exquisito, de lo mejor. Gracias. Aquí tiene su casa. Muchísimas gracias. Un beso para de Málaga, por diferencia. De los turistas del mundo. De los canadienses, por de momento de los canadienses. Un beso para Canadá. Venga, hasta luego. Des belles rencontres en direct. Hein. Ah, mais ça, ça c'est la chaleur en or. Ils sont chaleureux. Vive les Andalous. Ah, oui, toujours bien reçu. Regardez ici à gauche. Ah, un peu de Miguel. Écoute, là, on arrive au café sans fond. On a les types de café. En effet. Explique-nous ça, Léo. Alors, il faut savoir que le propriétaire du café central, dans les années 50, il était derrière son bar et il faisait des cafés. Et à chaque fois, au bar, eh bien, il y avait... Ah, tu peux me rajouter un peu d'eau? Ouh, il est trop fort, hein? Un petit peu plus d'eau. Ah non, mais là, elle est trop froide, elle est trop chaude. Moi, je veux avec du lait. Moins de lait, plus de lait. Il en avait marre. Il a dit, je vais essayer de faire comme une carte pour que chacun puisse choisir le café à son goût, comme il le souhaite. Et du coup, il va s'imaginer, il va réfléchir et il va faire... Cette fameuse carte en céramique, il y a la même à l'intérieur de l'établissement. Et aujourd'hui, ce sont ses petits-enfants qui gèrent ce café céramique. Ils sont tout aussi fiers d'expliquer un petit peu les différents types de café. Alors c'est important ici parce que vous ne pouvez pas demander un café, s'il vous plaît. Ou café pour le favori, ils vont vous regarder avec des yeux ronds et ils vont vous dire, oui, mais là, il faut préciser. Comment tu veux ton café? Solo, ça veut dire que juste du café. Juste du café. Tu le veux largo, ça veut dire avec un petit peu d'eau. 80% café, 20% d'eau. De l'eau, mais ça peut être du lait aussi. Alors, ça peut être du, bien sûr, ça peut être du lait aussi. Okay. D'ailleurs, là ici, c'est avec du lait, par exemple le sombra. Ah, ah voilà, là on a, je crois que c'est 30% de café, 70% de lait. Sombra, une ombre. Nube, un nuage. Un nuage. Mais là, c'est pas le nuage de lait, c'est le nuage de café. Ok. D'accord. Et celui-ci, c'est rigolo parce qu'en fait, il avait pensé à 9 différents types de café. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il trouvait que c'était pas joli. Ça balance pas. Voilà, il manquait quelque chose. Ok. Alors, il cherchait. Il dit, il n'y a pas d'autre café, on ne demande pas d'autre café. Il demandait à ses clients, qu'est-ce que vous pensez? Il y aurait un autre café qui vous ferait plaisir? Non, 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 tout est bien. Et là, il a un de ses employés qui est hésitant. Il lui dit, bah, écoute, elle qui est nommé le panga. On n'en veut pas. Donnez-moi ça un pot. Celui qui ne m'en donnait pas, je ne veux pas de café. Donc, c'est celui qui a complété cette fameuse carte du café. Vous vous ferez une capture d'écran de la carte du café pour que, quand vous venez la prochaine fois, vous sachiez exactement quel type de café vous préférez. Donc, c'est vraiment le café et le restant, c'est du lait. Alors, vous savez que le fameux café con leche, qui est extrêmement apprécié, hein, le café con leche, donc, est délicieux. Ce n'est pas un petit café de cafetière normal, c'est de l'expresso avec du lait chaud. C'est délicieux. Je sens que vous avez l'eau à la bouche présentement. Le café à la bouche, oui, effectivement. Ici, on est vraiment dans un endroit, vraiment, avec des boutiques tout à fait magnifiques.
mais la place de la Constitution. Alors, on va se rendre au centre pour éviter un peu de gens, pour éviter le bruit, bien sûr. Donc, et on vous explique un peu. Et bien sûr, vous allez reconnaître la majestueuse rue Larios qui se trouve en face de nous. Mais avant, on vous parle un petit peu ici de la place de la Constitution. Ici, il se passe beaucoup d'événements, non, Hélène? Énormément d'événements, Hélène. C'est vraiment, oui, le cœur de la ville, c'est le centre névralgique, tout. Ici, on va avoir toutes les grandes activités, toutes les grandes manifestations. Cette place est une place, bien sûr, très ancienne qui va exister pendant la période musulmane, qui s'appellera d'ailleurs la place des quatre rues. Et puis par la suite, avec l'arrivée des chrétiens, elle va changer de nom jusqu'à s'appeler plus tard la Plaza de la Constitución. Ouais. Ici, on a eu plusieurs édifices très emblématiques, très importants de la ville de Malaga, entre autres la mairie, la première mairie de Malaga. Vous trouvez juste ici, nous avons l'expression là, ici, sur notre gauche. Alors juste ici, regarde, l'ancienne mairie. Bien sûr, il y a le soleil. Ouais. On a ensuite, à droite de l'ancienne mairie, l'ancien collège des Jésuites, avec son église. Voilà, c'est bon. On a également ici un autre bâtiment très ancien qui date du 18e siècle. Ce bâtiment accueillait autrefois d'un regroupement, une association de personnes importantes, lettrées de Malaga, qui vont faire en sorte de faire la promotion des différentes, de l'industrie, de la pêche, de la culture malagaise. Ici nous avons la clinique Martí Torres, également qui date des années 20, emblématique. Et on a sur cette place également emblématique la fameuse statue. Sculpture de cette fameuse fontaine qui date du 16e siècle, hein, la fontaine de los Genoveses, ou de Carlos V, de Charles Quint, puisqu'elle a été construite et installée ici à Malaga sous le règne de l'empereur Charles Quint. Elle est toute en marbre, magnifique, mais si vous regardez bien, elle n'est pas au centre de la place. Non, c'est ce qui m'étonne. Oui, elle a été déplacée plusieurs fois, en effet, jusqu'à ce qu'on décide de la placer ici sur la place de la Constitution, mais de la décaler un petit peu pour pouvoir justement laisser le passage, et bien par exemple des processions pendant la Semaine Sainte, et organiser les différentes festivités. Parce qu'ici, vraiment, sur Calle Larios, vous avez la Marquise de Larios, la Semaine Sainte, c'est un des endroits où circule la procession, bien sûr. Alors, c'est une majestueuse vue, une artère très très importante à Malaga. Vraiment une des artères où on retrouve de très très belles boutiques, mais très chères. Non, Léo? Ah oui, ça, c'est sûr, Hélène. C'est la troisième rue la plus chère d'Espagne. Wow. Alors, je ne sais pas si tu comptais acheter un appartement ici. Non. Mais prépare-toi. Cette rue, déjà, elle est, niveau architecture, elle est magnifique. C'est une rue qui, justement, aussi a été ouverte au 19e siècle sous l'impulsion de la mairie d'abord, mais aussi par un financement de riches industriels, dont le fameux Marquis de Larios. Voilà pourquoi la rue porte ce nom aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, justement, vu que Malaga est devenue une ville de plus en plus visitée, de plus en plus appréciée, parce qu'elle maintenant elle sait accueillir vraiment le tourisme culturel. On l'a dit, de nombreux musées, on a vu de nombreux quartiers qui ont été restaurés. En face de nous, tout au Clara, la Equitativa, qui était des anciens bureaux d'une assurance, qui récemment a été rachetée par des investisseurs de Miami. Et on va avoir là un hôtel de luxe 5 étoiles. Oui, mon Dieu, il va falloir qu'il y ait une reprise économique. On espère. Mais aussi, la Calle Larios, une chose que je vais vous dire, c'est que vous savez, pour la plupart, et cette semaine, je vais probablement mettre une vidéo que nous avons déjà fait pour la période des fêtes. Alors, quelques-uns d'entre vous ont vu le spectacle son et lumière sur la Calle Larios à Malaga. Vraiment, c'est une merveille. C'est plus en Europe présentement. Alors, voyez-vous, on est sur une place ici.
vraiment quelque chose. C'est un peu caché. C'est un peu caché, mais c'est ça, Malaga. C'est que quand vous entrez dans les petites rues, faites comme nous. En tout cas, moi, je suis un petit peu comme ça. Ben, j'aime aller chercher quand je vois les petites rues. Je dis, oh, je vais aller faire un tour par là parce que je suis certaine que ça cache quelque chose, bien sûr. Toujours. Mais je voulais vous dire un détail concernant les lumières de Noël. Malaga a investi beaucoup sur les lumières de Noël. Maintenant, ce sont des lumières LED pour évidemment économiser l'énergie. Et vous savez, le design qui est fait des lumières, ben, c'est fait à Puente Genil, tout près, à 70 km d'ici. Alors, 70 km d'ici et à travers le monde, il est en train de travailler les designs de lumières de Noël. Alors, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est assez brillant. Je pense qu'on devrait se rendre un peu sur l'arrière, ou s'en aller un petit peu au fond. Une belle vue sur la cathédrale. Ouais, on va aller faire la vue sur la cathédrale là-bas. Parce que, si vous voulez m'entendre, parce que là, on va terminer, hein. Ce sera la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié avec une personne très intéressante. Regardez, on voit la partie qui a une tour. Hein, la seule et unique tour. Alors, on va. C'est ici. Le monument le plus haut hein, de la ville aussi. Donc, c'est pour ça qu'on la voit d'un petit peu partout. Hein. Là, d'un coup, on se retourne, on aperçoit la tour de la cathédrale. Tout en haut. 91 mètres. 91 mètres. Et aussi beaucoup de petits restaurants maintenant sur les toits d'hôtels. Ah, des rooftops. Oui. Des rooftops qui offrent des vues magnifiques. On a des vues spectaculaires sur Malaga, sur la tour. Sur la cathédrale. Enfin, vraiment, ça vaut vraiment la peine. Alors, écoutez, messieurs, dames, là-dessus, on va vous quitter. Dites-moi si vous avez apprécié la visite d'aujourd'hui. On a justement une famille qui vient de sortir. Ça fait exprès. On a une famille qui vient de sortir de manger. Ils s'amusent beaucoup et vivent la vie. Tant mieux, c'est super. Alors, on vous embrasse. La semaine prochaine, on dirait qu'une semaine oui, une semaine non. Ben, il y a des semaines qui pleut. Fait que la semaine prochaine, on nous donne du temps assez régulier. Donc, on sera en cuisine. Mais Miguel et moi, on n'a pas tout à fait décidé encore qu'est-ce qu'on va faire. Mais cette semaine, évidemment, à travers un petit vidéo, je vous enverrai l'information. Alors là-dessus, bonne fin de journée de dimanche et je vous souhaite une belle semaine et soyez prudents encore une fois. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui. Gros bisous à Québec. Bye. À bientôt.